selon le programme établi par le Comité national d'appui aux élections locales, a enfin décidé d'envoyer les missions dans les 33 préfectures de la République de Guinée. Cela pourquoi? C'est pour aller d'abord installer dans chaque préfecture le comité préfectoral d'appui aux élections, qui sera décentralisé jusqu'au niveau des districts. C'est pour permettre de faire quoi au juste? C'est pour remettre nos militantes et militants en ordre de bataille, régler les conflits. Vous savez, s'il y en a, évidemment, il y en aura parce que nous sommes devenus grands. Partout où un grand parti vit, il doit y avoir des problèmes d'ordre. Et ils auront la charge de régler ce problème. Comme je l'ai dit tantôt, de remettre les troupes en ordre de bataille. Et aussi, penser à nos listes. Ce qui est important, c'est surtout la constitution de nos listes. Au RPG arc-en-ciel, nous n'avons pas de tête de liste, mais nous avons une liste. Et sur cette liste, il faut que ces gens qui partent ne mettent que des gens crédibles. Pourquoi crédibles? Parce que les prochaines années, le professeur Alpha ne connaît pas à l'offensive du développement local. Alors, si nous voulons développer localement le pays, il faudrait bien que nous ayons des hommes dignes du nom, intègres. Et pour cela, ce n'est pas n'importe qui que nous enverrons dans cette mission du parti. Nos représentants des villages qui siègent aujourd'hui à Conakry sont chargés chacun, à ce qui le concerne, d'appeler sa préfecture d'origine pour réformer la venue très prochaine, c'est-à-dire à partir du lundi, des missions pour s'occuper de ce travail à l'intérieur du pays. Mais, sur ces missions, nous avons des partis alliés. Nous avons des mouvements qui nous ont soutenus. Nous avons des personnes ressources. C'est l'ensemble de toutes ces personnalités qui vont composer des missions. Et sur nos listes, nous avons des partis alliés avec lesquels nous avons déjà discuté, ils sont nombreux. Nous avons le militant et responsable interne et nous avons des personnes ressources. C'est une liste du RPG arc-en-ciel qui regroupe toutes ces personnes que nous allons présenter dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures et dans toutes les communes rurales et urbaines. À cet effet, nous demanderons aux missionnaires de toujours faire preuve de leur savoir-faire pour que les missions réussissent. Pour un premier temps, ces missions ont pour mandat et durée 10 jours et partiront évidemment avec les TDR déjà établis au niveau de la direction nationale du parti, au niveau du comité national d'appui validé par la direction nationale du parti. Donc, préparez-vous, tout le monde doit se mettre prêt, tenir prêt pour affronter ces élections. Ces élections sont trop compliquées, parce que cette fois-ci, c'est à la proportionnelle. Donc nous ne prendrons pas n'importe qui pour mettre sur nos listes, que cela soit clair dès le départ. Si nous voulons rappeler le maximum de communes en Guinée, il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes et que ce soit des hommes intègres pour développer nos localités. Donc alors, pour le premier temps, je vais m'arrêter là pour vous dire qu'à partir du lundi, toutes les missions vont quitter pour l'intérieur du pays. Et nous ne sommes pas en retard, nous sommes en avance et nous gagnerons. Merci.